Vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, effectivement. On n'a pas soigné les gens. Ouais. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des moi. Déductions. Si, vous faites des déductions. Je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après les déductions. Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins prennent ces décisions. Bah, que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, pardon Didier Raoult, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais les statistiques... n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants, familles de victimes. Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué. Mais vous croyez, alors je vais vous dire, je viens pas souvent. Mais à Marseille, je suis extraordinairement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses se passent. Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc vous croyez que les gens. Vous croyez que les gens. C'est pas sont la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon, c'est pas vous non plus qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Mais moi, je suis pas médecin. Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Mais non, alors calmez-vous. Calmez-vous. Non, mais Didier Raoult. Non, écoutez, calmez-vous. Non, mais m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous ne faites pas le diagnostic des gens, vous ne pouvez pas les soigner. D'accord. Je ne mets pas en doute vos qualités de médecin. Donc, ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, n'en faites pas de déduction foireuse. Je vous ai dit, quand on dit aux gens, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Oui, de votre moi aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris ? Allez-y. Vous m'en voyez ? Allez-y. Allez-y. De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Bon. Vous n'êtes pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. Moi, je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, on donc est d'accord. Ne me donnez pas de leçons de médecine. Je change de sujet. De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés par l'industrie pharmaceutique ? Oui ou non ? Non, mais vous posez des questions qui sont trop simples. Je suis désolé, ce n'est pas acheté. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts ? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? C'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts.